Après une pile réflexion, on finit par prendre une décision. On dit tout, faut que moi passe USMLE. Mais on pose tête une seule question. Qui j'en pour préparer? Oui, qui j'en préparer? Est-ce que m'ta bouille livre la boîte de l'eau? Est-ce que pour m'ta battre dans même la journée? Yo, ou bien est-ce que m'ta fond tête moi mettre tout? Yo. Eh bien, vidéo ça, c'est pour. Bonjour, bonsoir tout le monde. Encore une fois, c'est Solunija. Si vous êtes abonné, nous avons que nous bien content que notre famille. Et si nouveau tout, la fois qu'on est sur channel ça, on a vu une contenu sur santé et médecine, théâtre et comédie, famille et lifestyle. Donc, si vous aimez le contenu, pas hésiter à abonner. Et surtout, cliquez sur la petite cloche là pour qu'à toujours jouer une notification chaque fois que nous sortons une nouvelle vidéo. Après, je vais réaliser la première vidéo qui explique la généralité du processus USMLE, ça n'est le matching là. Des jeunes en pile bon feedback. Et m'ai vraiment apprécié que vidéo ait été utile autant de monde. Et de côté tout, m'ai jeunes en pile demande sur qui j'en pour préparer. Donc, mesdames, messieurs, vous êtes servis. Oh, ok. À pas vous aimer là. Pour réaliser vidéo ça, m'utiliser expérience personnelle moi avec préparation examen. Donc tout ça m'a fait bien et tout ça m'a fait mieux tout. En plus de ça, je lis et je regarde des vidéos sur YouTube. Je combine tout ça avec l'expérience pour me porter un plan de préparation qui est efficace pour un étudiant ou un médecin haïtien qui a à peu près le même background. Ok, guys, nous sommes partis. Je n'ai pas regardé un OS Blues qui est sous moi, donc je suis à l'hôpital. Moi, ça m'a fait night. Mais c'est fait vidéo là, je suis rentré, mais Alice a dit impossible. Tout ça me fait livrer que c'est lui pour mettre en scène. Lik pour productrice en chef, lik pour actrice principale, c'est impossible. Je ne dis pas faire vidéo ça là la même. Donc, et comme ça, l'or est petit. Ok, so pour nous être méthodique, quand ça nous va le faire, nous allons suivre le plan ça. D'abord, on a commencé avec généralité. Ce qu'on fait dans step 1, c'est une plus gros facteur qui va déterminer les chances pour match dans le programme. Donc, on a intérêt à travailler, ready pour scorer bien dans step 1. Et pour le moment, score step 1, score de passage là, 194. Et tout score qui est au-delà de 230 en général, est considéré comme un bon score. C'est sûr que si on fait step 1 déjà et qu'on fait moins que 230, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas match. Nous d'accord ça. D'ailleurs, il y a plein d'autres facteurs que on travaille sur pour augmenter les chances pour match. Pendant que je partie ça là, je vais une information importante pour moi. Par contre, si c'est bon ou si c'est une mauvaise nouvelle, mais pour moi, je considère que c'est une bonne nouvelle. Nous même sur ta parler de step 1 qui gagne score de passage ou bien ça les gros score dans step 1 au moins à partir de janvier 2022 bagage score ça a fini donc pour step 1 il y a pas bail score encore résultat a dit ou bien passer ou bien échouer donc pass ou fail. Pour étudier moyen en général préparation step 1 en prend environ 6 mois à 12 mois c'est sûr que dépendamment de emploi du temps, dépendamment de responsabilité, ou gen moun ka fèl nan moins que 6 mois, et c'est sûr que gen moun ka fèl nan plus que 12 mois. Donc, li variable. Personnellement, moi-même, je vais faire environ 7 à 8 mois pour préparer step 1. Nan. Et il faut me dire tout que au début, j'étais vraiment à mode lagué. Genre, je commençais bien motivé, m'a frappé, m'a crasé après 2-3 jours, après une semaine. Découragé, perdu motivation, me commencer à modélaguer. Donc, nous-mêmes, je souhaitais ne pas faire ça. Nous-mêmes, c'est un seul coup de clé. Ressources pour préparer USMLE, c'est une bagarre qui peut exister sur la terre. Bon, une petite exagération, tout petit, mais ouais, ça me veut dire. So, on peut mettre 50 ans à étudier pour préparer USMLE, ou pas jamais qu'à épuiser toutes les ressources qui gagnent. Donc, il est très important que ou pas à prendre en piège ça. Dans la pièce, ou gen paquet de documents pour étudier et pour pas jamais finir. Et puis, préparation est terrible dans mien. L'important pour identifier ressources clés et lock sur yo. Ou je dis, ces ressources à m'a utiliser ou lock sur yo. Bien sûr, on a toujours ouvert la suggestion. Mais nous connaissons déjà. Puis, c'est garé. Exactement. Selon l'expérience personnelle, moi, à quoi cherche comme fait, diviser ressources pour préparer USMLE step 1 en deux catégories. Première, c'est ressources principales. Deuxième,
ces ressources supplémentaires. Ressources principales, c'est Kaplan, Vidéo et ou Livio, ça n'est les notebooks, First Aid, Livlan, bien sûr, dernière édition, Patoma, UWord. Et ressources supplémentaires, c'est Golgian Audio, 100 Cases de Conrad Fisher, Test Taking Strategy, NBME et Sketch Medical que me fait découvrir. Petite description rapide de chaque ressource. D'abord Kaplan. Kaplan Vidéo, c'est un ensemble de vidéos qui explique tout concept de base en détail. Et c'est comme si tu es un professeur de vont qui explique tout concept extrêmement bien fait. Et pour moi, pour qui ça me passait l'important pour étudiants haïtiens, c'est parce que faculté de médecine nous n'a pas préparé nous pour aller passer USML, ce qui est normal. Et contrairement à un étudiant en médecine aux États-Unis, côté de la formation, il connaît que la préparer pour passer USML. Et ça m'a dit là, c'est pour une question de comparaison en termes de supériorité ou infériorité. C'est juste un fait. Plus de ça, il y a un peu le coup que nous pas vraiment focus sur qui fait qui quitte nous avec des lacunes. Je connais pas 26 c'est menti. Je connais par exemple pour biochimie, pour microbiologie. Le plus souvent nous connais courir dit ces professeurs mal faire, mais parfois professeurs bien faire. C'est juste que nous peut-être pas trop focus, nous t'apprenons l'autre bagaille qui fait que nous pas vraiment au niveau satisfaisant dans matière ça. Deuxième document c'est First Aid là. Pour moi c'est document qui plus important dans préparation. Amen. C'est une document qui plus important dans préparation USMLE. Pour qui ça? Bon ben on tient anecdote rapidement. Nous quand nous parlons composer ou bien l'un fin composer nous dit ah même pas on va regarder qui question des jeunes qui question pas jeunes pas là ça. L'un fin composer step 1 me sorti dans test center. Me dit tête moi pas là regarder OK me fin composer bon mal enjoy bon mal boire de bière bas ça. Devinez ça arrivé l'homme ça arrivé l'homme rivé la caille. L'homme rivé la caille pas résister me dit tête faut mal regarder. Donc moi ouvri First Aid là, me commencer par celle de premier page là à dernier page là. Et nous on s'arrivait presque chaque page me passait, me joine un bagage dans page ça que j'ai posé mon question sous lui. Donc c'est pour me dire nous combien First Aid là sont documents qui important. Ça First Aid là en réalité son livre qui c'est un condensé de high yield concept. High yield veut dire bagage qui toujours sorti ou bagage qui très possible pour sortir. Patoma lui-même son cours de pathologie, me trouvais qui très bien fait, qui très populaire. Pour lui, il y a des vidéos et il y a des livres en tout. Dépendamment de qui j'en apprends ou même, ou qu'a choisi livre là ou bien ou qu'a aller avec vidéo. Et une chose que m'a dit nous c'est que dans préparation examen moi-même m'étais fait par Thomas. Et pour ça me dit nous ça c'est parce que Kaplan vidéo Kaplan yo gen pathologie là dedans tout. Mais par rapport à tout ça m'a appelé sur internet tout conseil que tout le monde t'a bail, j'étais suggéré par Thomas au lieu de pathologie qui dans Kaplan là. Et que m'étais fait ça et c'était une très bonne décision. UWord là même c'est une banque de questions. Une banque de questions qui gagne environ 3000 ou et plus questions que vous pouvez pour faire, refaire et refaire. Est-ce que vous avez existé? En tout cas, nous ressemblons dire. Ça veut dire qu'on fait en pile. Pour documents supplémentaires, d'abord Golgian. Golgian sont en pile audio que un professeur qui est le Golgian, on l'a fait quoi? Mais on a deux trois vagabonds qui piratent. Et puis, on commence à distribuer sur Internet. En tout cas, en pile, génération bénéficie de lui. C'est juste un bon coup de pathologie, mais c'est audio. 100 Cases de Conrad Fisher, c'est un document sous éthique. Si on monde ou pas vraiment étudié éthique là, non document à part, document ça qui c'est 100 cas ça, c'est 100 cas qui, 100 scénarios qui plus probable pour sortir un examen en termes de éthique. Donc, on devrait vraiment faire tout 100 cas ça. Nous on mettait dans liste un document qui est le test taking strategy. Donc c'est stratégie pour l'apprendre un test. Il pas parler de bête. Il seulement parler de technique qui gens pour faire un examen. Et je pense que il très 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 important pour depuis notre commencement préparation nous pour nous gagner vraiment pour nous connaître qui gens pour nous passer examen. Parce que à la fin on peut avoir toute bête là et pour mal passer. Si par exemple ou par contre qui j'en pour répondre question ou pas gérer temps bien tout bagage ça est très important. Donc document ça moi gagne il me partager là avec un pile monde déjà et si ou connait un monde que me connaît ou ka jeune dans mail ou bien ou ka essayer mande mni dans un commentaire ou bien un message
m'ka essayé ouais qui j'aime ka fo jouer. Sketchy Miracle c'est un document me fait découvrir. C'est pas de m'a préparer vidéo ça m'est tombé sur lui. Mais en réalité si m'te gétan konnen nan époque que m'ta préparer examen nan, m'ta vraiment utiliser. Ça li en réalité, c'est juste que des concepts difficiles par exemple dans microbiologie, yo prend chaque bactérie et puis yo crée un sketch avec. Une vidéo côté que y a yo imagé et baralan qui permet de rester dans mémoire plus facile. NBMI en lui-même c'est un ensemble de tests qui simule vrai examen côté que on prend pile question presque même genre avec examen. Pour ça moun fait en général c'est parce que score que fait dans NBMI le plus souvent il semble avec score que pour faire dans vrai examen. En bas dans description vidéo on mettait plusieurs liens tout document ça on me souhaite parler là qui au moins un lien qui parlait de yo et surtout par exemple First Aid là moi mettez lien côté qu'à juste cliquer ou utiliser lien pour acheter. Pas oublier on toujours acheter dernière édition First Aid qui sorti par exemple là nous en 2020 donc on peut utiliser 2020. Stratégie très important. Stratégie dans examen ça pour déterminer qui score que on fait. Et pour commencer moi va ban nous même stratégie que m'étais utilisé pour m'étais fait step 1 et m'étais arrivé font score et m'étais arrivé match avec score ça. So, après que m'étais fin décidé que m'a passé examen, m'étais commencé pour faire vidéo Kaplan yo. M'étais fait vidéo Kaplan yo, m'étais commencé avec micro avec biochimie, ensuite microbiologie, pharmacologie. Et ça m'a fait c'est ça m'étais trouvé que pas de trop lacunes dans yo, tant que par exemple physiologie, anatomie et puis tout m'a fait particulier les behavioral science là. Et ça t'a sauvé mon bon titre en tout. Le fini, me fait par Thomas. Après me fin fait par Thomas, me fait first aid là en première fois. Après me fin fait first aid là en première fois, me t'a fait U-word. Et pendant m'a fait U-word, le m'rive dans moitié U-word, me bon self assessment. Pour nous même qui pas comprendre ça que self assessment là, aussitôt que nous commençons à préparer et aussitôt que nous achetons U-word, nous comprenons sans problème, nous pas besoin d'inquiéter nous. Ensuite, nous continuons à faire U-word, nous finissons la première fois. Lorsque nous finissons la première fois, nous retournons faire des questions que nous pas joindre. Parce que là, fait des questions, ça a une pile question qu'on pas joindre. Donc, nous retournons faire des questions que nous pas joindre et des questions que nous avons marquées autour. Aussitôt que nous avons U-word, nous comprenons ça, m'a dit. Et lorsque nous finissons faire U-word, lorsque nous finissons faire des questions que nous avec des questions que nous avons marquées, nous retournons faire first aid là, en deuxième fois. Après, je fin fait first aid la deuxième fois, je viens jongler entre first aid et U-word. Ensuite, je viens faire documents supplémentaires que je parlais de dans la vidéo. Mais pour ne pas nous mentir, je ne fais pas tout. Par exemple, Golden Audio, son paquet audio, je vais vraiment trouver que je suis obligé de faire tout, surtout que je ne fais pas tout. Je vais juste des moins que moitié là-dedans. Après, je viens faire tout document ça. Ça a été pratiquement U-word là, avec first aid. Là. Donc de continuer à faire question parce que c'est très important pour examen ça pour que vous toujours faire question pour quitter cerveau toujours à travailler parce que ça pas le faire dans examen c'est répondre question donc vous supposez toujours une pratique ça pour faire question et pendant d'en faire question on te prend 2 ou 3 NBMI et moi que j'ai une NBMI me font premier NBMI score pas mal on travaille me font deuxième score on tient diminué ça te fait repousser examen dans de 11 semaines. Et après ça, je viens de faire l'autre NBMI et que je suis satisfait et puis mal composé. Ça, c'est pratiquement la stratégie que je suis utilisée pour passer USMLE. Et je trouvais que c'est une stratégie qui était très bonne parce que je suis arrivé à mon résultat. Est-ce que je peux faire mieux? Oui, définitivement. Parce que toujours il y a un espace pour mon améliorer en bagage qu'on a fait. Si m'tap gè pour me reprendre examen en kounya, m'tap gè pour me faire préparation step 1, qui ça m'tap changer. Hey, nous pas fini. Suivez aussi la vidéo, c'est que contenu t'est intéressé. Mais comme vidéo a été trop longue, nous diviser en 2 parties. Donc quelque part sur l'écran là, quelque part ou à joindre lien ou à regarder partie 2. Et sous pas ta wel tout, juste à la vidéo mieux, chercher playlist sur SML et puis continuer à regarder.